On y va. Donc on va besoin d'Hachem parler de la paracha. Paracha Vayakhel. Alors souvent les parachutes Vayakhel et Pekoudé sont liés. Comme c'est une année bisextile, donc on a plus la carte parachutes en plus. Donc du coup Vayakhel ça va être tout seul. Vayakhel Rabotai. On parle du don, de quel don de s'agit-il? Du don des Nessim. Les Nessim qui ont amené leur korban, leur apport plutôt à la confection du Mishkan. Alors les Nessim Rabotai, lorsque la Torah va nous faire part du don qu'ils vont amener pour le Mishkan, on va dire comme ça. La Torah nous dit comme ça. Va Nessim et vi etavne Ashoam, etavne Amiluim, la Ephod et la Choshen. Donc les Nessim, donc les princes, ont amené les Avnei Shoam, donc les pierres précieuses, ve les Avnei Miluim et les pierres à enchâsser. Pourquoi? La Ephod et la Choshen. Donc pour le Ephod, c'est donc le pectoral, le Choshen. Donc c'est le carré qu'il a sur lui, le Kohen Gadol, avec les 12 tribus, les 12 pierres différentes, de 12 pierres précieuses qui représentent chacune une tribu différente. Eh bien, c'est quand même particulier. Chaque tribu, elle avait une couleur, vous savez. Elle avait une couleur, elle avait une appartenance, elle avait un sigle, elle avait un logo. C'est quand même particulier, non? Qu'Hachem nous demande, ça, a priori, c'est pas important, quoi. Une couleur, un logo, un truc, quoi. C'est une campagne de dons. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci en particulier? La Torah nous parle de ça comme une importance particulière. Vous savez, la 12 tribus, on comprend que chacun, il a besoin d'être... d'être lui-même. Et il ne faut pas essayer de ressembler à ta copine. Donc sois toi-même et va jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on va, en fait, sortir le meilleur de soi. Des fois, on voit une part de notre copine, on se sent moins valorisé, on se sent moins mis en valeur, on sent qu'on est moins... On n'est pas aussi réussi que... On n'a pas autant de réussite que notre copine. Ah, oula. Mais on te dit, en réalité, eh bien, la particularité de chacun, c'est ce qui fait sa force. Donc, reste toi-même. Très bien. Donc, tu es tunisienne, sois tunisienne, tu es ashkenaz, sois ashkenaz, tu es marocaine, même si tu es algérienne. Oh, c'est pas possible. Bah, à la fin, on va les lâcher dans la fin de l'année. Vous allez voir, à la fin, je vais vous dévoiler qui je suis, hein, c'est pour ça que vous allez enfin comprendre qui je suis. Mais personne ne sait vraiment. Top, accompagnez vos tailles, donc on dit comme ça. Donc on dit, Vanessine. Donc on dit, mais tu vois qu'ils ont une couleur particulière, il y a un logo particulier. Enfin, un logo, il y a un dessin, enfin une représentation. Et on te dit que les Nessim, donc c'est eux qui ont amené ces pierres précieuses, très bien, pour le téléphone. Mais les Nessim, il y a écrit dans la Torah, c'est écrit bizarrement. C'est écrit avec un problème, il manque une lettre dans le mot Nessim, donc dans les mots des tribus, il y a écrit Nessim sans Yud. Écrit en fait à Nessam, Nesham. Il manque un Nessim, il manque deux Yud. Très bien, un Nassi c'est avec un Yud, et Nessim c'est au pluriel, donc c'est deux Yud. Mais en fait, on voit qu'il va manquer le mot Yud, ou un Yud en tout cas essentiel, le mot Yud entre le Aleph et le même Nessim. Donc ça s'écrit... Nun Sin Aleph même, Nessim, bah entre le Aleph et le même, il manque Ayoud. Alors la Gemara, elle remarque ce manque-là, et comme chaque mot de la Torah sait qu'il a une valeur particulière, la Gemara, Rachid sur place, il amène à Rabbi Nathan. Alors il dit comme ça, il dit, Amar Rabbi Nathan, Maraou Nessim, Nitnadev Bachanukat Amisbeach Betrila, il dit, comment se fait-il que les Nessim, ils ont voulu apporter leur offrande au début de l'inauguration du Mishkan. D'accord? Betrila, Tranuka, Bechanuka, Tamizber, Betrila. Pourquoi? Ils l'ont emmené en tête des donateurs. Tandis que, Bemelechet, Tamishkan, Lutnadvu, Betrila. Tandis que, pour les travaux du Mishkan, d'accord? Ils n'ont pas amené leur offrande en début, ils l'ont emmené à la fin. Donc je répète, comment se fait-il que, lors de la Chanukka de Mizbeach, lors de l'inauguration du Mizbeach, eh bien c'est les Nessim qui ont amené en premier leur korbanot,
Tandis que lors de la confection du Mishkan, d'accord ? Lorsqu'on l'a construit, donc le Mishkan avait besoin de toutes sortes. Au début, c'est comme quand tu fais un Betakneset. Au début, tu as besoin de mettre du ciment, de mettre du bâton, de mettre des pierres, de mettre, d'accord, toutes sortes, du bois et ainsi de suite, toutes sortes de matières premières. Une fois que tu as les murs, déjà, maintenant, il faut le Echal, il faut la céramique, il faut les bancs et ainsi de suite. Bon, bah alors, dans la confection première, ils n'ont rien fait. Ils étaient à la fin, en fin de liste. Parce que dans la Hanouka d'Amizbeach, donc maintenant il va falloir maintenant les matières premières, les matières plus chères, éventuellement tout ce qui est donc les pierres précieuses, ben là non, ils vont le donner en premier. Bon, alors la Gemara dit comme ça. Il te dit comme ça, il te dit au début, lors de la Melacha du Mishkan, ils ont dit comme ça. Ils ont dit celui qui. Que le peuple il amène ce qu'ils veulent et nous on complétera. Nous on est des Nessim, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'or, on a beaucoup de choses précieuses. Et bien il dit que les âmes Israël donnent tout ce qu'ils peuvent et nous on complétera. Oui. Juste on peut répéter la question. Oui, la question est la suivante. Comment se fait-il que lors de la Hanouka Tamizbeach, eh bien, ils ont donné les Nessim, ils ont donné en premier. Dans la liste des donateurs, ils figurent en premier. Tandis que lors de la confection du Mishkan, pas la Hanouka c'est à la fin, l'inauguration. Mais lors de la confection du Mishkan, ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné du prix. Ah ben ouais, c'est la question. Mais exactement. Alors, là, c'est Rashi qui dit ça sur place. Tout ce que je vous dis là, je suis en train de lire juste Rashi sur place. Donc sur le Pasouk de la Parasha, donc chapitre 35, Lamed He, Pasouk, Kavzaïn, chapitre. Pardon, verset 27, excusez-moi, je suis encore sur le truc. En tout cas, quelle est la distinction donc entre la Hanouka et la Melacha ? Ben, il te dit, comme ça, lors de la confection du Mishkan, ils ont dit que l'âme Israël donne tout ce qu'ils peuvent, et moi je compléterai le reste. On est riche, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut, on les laisse faire la Mitzvah, et après nous-mêmes on donnera. Ou Mashimechasrimanachnoachlimim. Et donc que le peuple, que l'âme, que le Tzibour donne, et nous on complétera tout ce qui manque. Top. Mais en fait, c'était quoi le problème en bataille ? C'est quoi le problème ? Ils ne sont pas empressés pour faire un truc. Ouais, mais c'était quoi le problème dans le fonctionnement fiscal ? C'est que l'Am Israël est tout donné. Kevan, Chishlimu, Tsibouret, Akol. Du fait que lors de la confection du Mishkan, l'Am Israël, ils ont tout donné. Le peuple, il a tout donné. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le Pasouk, Va Melacha Itadayam. La Melacha, ils ont tout apporté. Les matériaux, ils étaient suffisants. En d'autres termes, et quand je vois qu'il a dit, voilà, tout celui qui veut, il l'amène. Ils ont tellement donné que ça y est, Avru Kruz Bamachane, ils ont passé une voie dans le camp. Ils ont dit, ça y est, arrêtez d'amener, vous avez trop amené. Bon alors, c'est le truc qu'ils disaient tout le temps. Ils disaient, c'est la seule fois où un rabbin, il dit, arrêtez de donner, vous avez trop donné. Ils disent, quelqu'un, il donne. Il donne. Mais quand il donne, bah, il dit, bon, bah, ils ont donné, maintenant, je vais faire autre chose avec. Je vais faire une autre mitzvah, de pouvoir maintenant... Et déjà, ils aiment bien, toujours... trouver d'autres mitzvot, alors tu donnes à un rabbin, à la fin le rabbin il va trouver un truc, ne t'en fais pas. Même si tu donnes trop, jamais on va dire tu donnes trop, reprends ton argent. Mais là, à Kadosh Baruch Hu, il a dit voilà, mais l'arrêt d'Adam, n'amenez plus rien, il y a trop de matières premières, on n'a plus rien besoin, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Donc ils ont demandé de l'arrêter, donc à ce moment-là. À ce moment-là, eh bien, quand ils ont amené, donc effectivement, ils ont vu qu'ils ont tout amené, il manquait plus que quoi maintenant ? Il manquait plus que les pierres précieuses, mais les pierres précieuses, ils n'ont pas, le peuple, ils n'ont pas. Même s'ils étaient très riches, le peuple. Ils étaient riches, le peuple. Il y a écrit quand on est sortis d'Égypte, on est tous sortis avec des richesses. Tous les gens du peuple juif, il y en a qui sont sortis avec quoi ? Il y a écrit 90 ânes, mais ânes de... d'une ville qui s'appelle en Libye, là-bas, je sais pas, Louvre, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, il dit que cet âne-là, il peut porter énormément, il a une très grosse capacité de charge sur ses épaules. Et bien, toutes les personnes du peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, ils ont tellement vidé l'Égypte, là, écrit que l'Égypte, ils l'ont fait, qui est Metsuda Shen Bodagim. Ils ont pris comme si un aquarium, tu vas, tu pêches tout ce qu'il y a, tu laisses rien dedans. Ben, c'est ça, l'Israël, quand on est sorti d'Égypte, on a tout pris. On a pris toute la richesse, on leur a rien laissé.
Donc Am Israël, on va dire c'est justifié, c'est 400 ans qu'on travaille, la terre, toute l'économie elle tient sur le peuple juif, bah, quand ils partent ils reprennent tout. Très bien, c'est comme ça d'ailleurs, vous avez pas vu, dans les pays dans lesquels les juifs ils sont, ils partent, ils laissent, il n'y a plus rien. À Paris, à l'époque, il y avait tous les juifs, ils étaient dans un quartier, ça s'appelait le Sentier. Je crois que c'est vers le 9e là-bas, c'est quoi, comment ça s'appelle, Bonne Nouvelle, vous savez le boulevard Bonne Nouvelle là. Voilà, bah là-bas, dans les sentiers, à l'époque, il n'y avait que des juifs. Les juifs ont commencé à partir, et hop là, il n'y a que des arabes, des pakistanais, des chinois, ils sont tous venus, ils ont pris la place. Partout, les endroits, quand même, même à... comment ça s'appelle là-bas, Montmartre, c'est à l'époque, à mon époque, c'était là-bas, le quartier juif, là-bas, il y avait un Beit HaMidrash, il y avait là-bas tous les restaurants. D'accord ? Comment ça s'appelle cette rue ? Bon, je ne sais pas, vous connaissez ou pas ? À Montmartre ? Je ne sais pas. Je vais vous dire la rue, vous allez connaître. Il y a un Beit HaMidrash là-bas à la rue. Je vois où c'est exactement. Il y avait un Damiel juste à côté, oh là, un magasin de livres. Rue Richer. Rue Richer, ouais, c'est ça. Rue Richer. Rue Richer. Donc à l'époque, là-bas, quand j'étais jeune, c'est là-bas qu'il y avait tout le quartier juif, avec tous les restaurants, tous les librairies et tout ça. Et puis les juifs, ils ont commencé à partir et c'est devenu maintenant, voilà. Je sais pas ce qui reste de Rue Richer, mais bon, il reste pas grand chose, quoi. C'est un peu. D'accord, c'est devenu le gros balagan. C'est-à-dire que, en réalité, eh ben, quand les juifs, ils sont dans un endroit, mais même ils amènent la baraque, quand ils partent, c'est là, voilà. Elle ne peut rien dire, quoi, l'endroit. Bon, après, les juifs sont partis autre part, donc maintenant, je veux dire, c'est tout le temps comme ça. Quand Am Israël est dans un endroit, donc il y a Kadosh Baruch Hu, il est là, et quand ils partent, c'est un petit peu. Ça change un peu de face. Alcool, panim, donc on a dit comme ça, on a dit que. Les Nessim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, amenez tout, et nous on amènera le reste. Très bien. Mais finalement, ils n'ont rien mieux amené parce que, bah, Am Israël, ils ont tout donné, ils ont dit, bon, c'était trop généreux. Donc ils ont dû, la seule chose qui manquait dans la liste, c'est comme les listes, vous connaissez les listes de mariage en France? Quand tu as mis un mariage, on t'a dit, bon, il fallait telle chose. Au lieu d'avoir en Israël, quand il y a un mariage, en allant à Rami Lévi, pour toute personne qui achète plus de 300 shekels, il reçoit un fer à repasser gratuitement. Donc dans la semaine, la personne qui se marie va recevoir combien de fer à repasser à vos tailles? Le truc, c'est qu'il va avoir le même avec la même couleur. C'est pas qu'il y en a un bleu, un rouge, bon là, le couple il est ensemble, les trucs, on fait ensemble les trucs, c'est sympa. Ils ont la même couleur, le truc, ils en ont 10. Bah, en France, il y a une sorte de notion comme c'est sympa d'ailleurs, mais bon, c'est très français. La liste de mariage, hein, c'est quand tu viens, bah, tu choisis ce que tu veux offrir. C'est bien ou pas? C'est plus trop d'actualité, ça. Ouais, je crois que ça peut exister, mais. C'est comme elle, c'est aussi. Très innocent. La liste pour la brique, là, les parents font une liste. Et... Non. Ah, vous, c'est pas vrai. Non. Non, magnifique, Arotaï, magnifique, très bien. Bon, alors faites-nous votre liste de cadeaux de l'après-campagne. Ok, Arotaï, donc je savais pas que c'était. Donc, c'est là, cette notion. Eh bien, Am Israël, Arotaï. Quand on les a conviés à la confection du Mishkan, on a dit que toute personne offre ce qu'il veut, mais ils ont tout donné. Et la seule chose qui restait à donner à Israël, c'était quoi? C'était ces pierres précieuses. D'accord? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il nous reste à accompagner, à amener? Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Alors on va amener maintenant, ce qui manque, la seule chose qui manque dans la liste du mariage, là. La seule chose, c'est l'avenir choix, on est les seuls détenteurs de ces pierres précieuses, parce qu'on est les princes, ils étaient plus riches que tous, et ils avaient donc ces pierres. Et donc, bon, on va les amener nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle la Torah te dit, attention, quand les Nessim, ils ont amené des pierres précieuses, bien le Nessim, il manque un Yud. Entre l'Aleph et le Yud, il manque un Yud. Pourquoi? Vous avez dit, effectivement, parce que ils ont manqué d'empressement. Quand tu fais une mitzvah, quand tu fais la tzedaka, il faut le faire avec tout le cœur. Il faut que tu sois emporté par la mitzvah. Faut que tu aies le feu, faut que tu sois content de faire la chose. Et si tu n'es pas content, ben, travaille-toi sur ça. Parce que le ikar d'une mitzvah, c'est dans la joie, c'est dans la simcha, c'est dans la hitlavut, c'est dans le cœur, c'est dans l'entrain. D'accord? Mais comme les Nessim, ils ont fait ça, ils étaient trop rationnels. Ils ont dit, bon, ben, eux ils donnent, on complétera après. Ben, Hachem, il a dit, regardez-moi, je vais vous retirer un yud de votre mot. Alors, votre taille, c'est BMET, on dit, a priori c'est pas juste, donc en fait en d'autres termes ils ont été punis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont manqué d'entrain. Ouais, mais ils ont manqué d'entrain, mais ils sont très riches. Alors ils disent, nous on peut tout faire tout seul. Donnez-vous et je complète. A priori ça vient d'un bon sentiment ou pas? Oui. Bah non, mais c'est pas
Ouais, tu as montré l'exemple, mais si tu montres l'exemple, tu donnes tout, parce que t'es plus riche que tout le monde. Donc si je te dis, regarde, on va faire le mitzvah à deux, viens, fais ce que tu peux, moi je fais le reste. A priori, c'est bien ou pas? Oui. Ils ont pas dit ça, mais si, ils ont dit ça. Il a dit comme ça, il a dit, regarde, que l'âme Israël, d'accord, donne, et nous, on complétera. D'accord? Il dit, car amouanissim, itnad vout tibour, machim itnadlim, ou machim echasrim, alors c'est machlimim. Donc, en d'autres termes, que la communauté elle offre ce qu'elle a à offrir, et ce qui manquera, on complétera. Il dit, comme nous, on est plus riches que les autres, alors on va attendre qu'on va les laisser participer, et on va compléter nous-mêmes. Ah, ils ont un peu dénigré, Ben Israël, ils ont fait preuve d'un peu de... Non, mais c'est une réalité, ils sont plus riches. Dans le compte en banque, nous on a 100, lui il a 1 milliard. Bah, c'est pas dénigrant, il y a une différence, il y a une catégorie, quoi. Il y a des riches, il y a des trucs, même à l'époque c'était comme ça. Il y avait clergé, il y avait le... Non, la noblesse et le tiers état. Bah, c'est comme ça. Non, mais moi je suis tiers état, je suis pas d'accord. Bah, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est une réalité. Bah, voilà, les Nessim, c'est des Nessim. Ils sont immensément riches. Ils regardent, avancez, moi je complète. Après, ouvrez vos tailles. Ça n'a pas de mauvais sentiment. Oui, Rachel. Ils n'avaient pas à se considérer différents des autres. Bien fait, j'ai compris. D'accord. J'entends. Mais j'entends la bouteille. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est un yud qui a été enlevé? D'Afka le yud? Ouais. J'avais lu. Une seconde. Est-ce qu'on aurait pas pu lire là-haut? Ouais. Il donne deux réponses. Je vais vous la donner. Ouais. Oui. Mais en vrai, c'est pas juste pas dans mon sens, je trouve, parce que c'est. Oh. C'est comme de nos jours, par exemple, quand il y a des campagnes. Ouais. Par exemple. Plus riche, il donne à la fin, comme ça. Voilà. Comme ça, il complète ce qui manque. Ouais. Non, mais c'est gentil, mais je pense qu'ils sont seuls. Mais si, ils mettent des gens à la fin, ils ont donné beaucoup. Peut-être qu'ils auront honte, les autres aussi, de voir que tout le monde est beaucoup plus riche. Parce que si on donne ça comme ça, s'il y a une personne qui met beaucoup d'un coup, alors après, ils vont se dire, bah non. L'archouma, lui, il a donné 10 000, moi, je donne 18 euros, je suis mal. Ils sont super Quoi? De vous convaincre, bah vous êtes tous d'accord que ça venait d'un bon sentiment et qu'a priori, bah ils devraient pas être punis pour ça, quoi. C'est pas juste, ils sont punis pour ça. Ils ont rien fait de mal. Ils avaient l'intention de laisser le peuple juif participer à la misa. Donc finalement, quand ils ont fait ça, ils sont retenus de faire la misa, mais c'était les Shem Shamaim. Ils avaient bah, de bonnes intentions. Ils voulaient laisser du mérite au public, à la communauté. Et. Il voulait laisser la communauté offrir en premier et tout ce qui manquera on va le compléter. Alors il te dit en réalité, la Torah te dit non, ça marche pas comme ça. Dans cette mitzvah, hein, ces considérations trop conventionnelles ou trop protocolaires, ça marche pas comme ça. Quand ton mari il va t'aimer, il peut pas dire non mais je t'aime jusqu'à telle limite. Non, je t'aime sans fin. L'amour, il a pas de limite, on est bien d'accord ou pas? Quand t'aimes quelqu'un, c'est pas ton enfant. Tu veux en pleine nuit comme ça, il va pleurer, il va truquer, il faut le changer, il faut le truquer, il a mal, il y a les dents qui poussent, il faut l'amener à l'hôpital parce que tu vas dire non, écoute, ça fait trois fois dans le mois, t'as passé la quatrième, tu me laisses tranquille et demain matin je m'occuperai de toi. Il y a des horaires s'il te plaît mon fils. Non, mais là, on comprend pas. Donc c'est à dire que Bémet, eux ils avaient une bonne intention. Et Bémet, ils voulaient laisser participer l'armée Israël. Mais finalement, quand je dis écoute. C'est pas comme ça. Et je vais te prouver que c'est pas comme ça, je vais leur retirer le yud de leur mot, de leur titre. Nessim, ce sera sans yud. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut dire que, regarde, moi, à mes yeux, il y a un manque dans ta mitzvah. Si la tzedaka, tu le fais sans empressement, tu le fais sans volonté, sans cœur, et bien un cœur, ça déborde. Si ton cœur, il donne, mais de manière, avec trop de retenue, c'est pas bon. C'est que moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas de ton don, et je ne veux pas de ta, comment dire, de ton offrande. Je veux pas, tu le gardes. Si tu le donnes, tu dois le donner avec le cœur. Oui, Lauriane. J'ai une question, c'est un peu relié à ça, mais par rapport,
quand on est mévataire, des fois par rapport à une mitzvah. On veut faire une mitzvah, mais non, comme c'est pour faire le shalom, alors on va laisser la place à l'autre. Est-ce que c'est, ça compte pareil du coup, parce qu'on s'est revenu pour une mitzvah? Mais pour, dans quel, c'est de quoi pour une mitzvah? C'est-à-dire qu'au lieu que vous fassiez la mitzvah? Bah, il y a deux personnes qui veulent faire une mitzvah. Deux personnes qui veulent faire un truc, qui veulent aider à mieux faire. Quand on est à deux et ouais. qu'on fait une mitzvah, est-ce que ça a plus de valeur que quand on le fait tout seul? Non, deux personnes veulent faire une mitzvah. Oui. Et les deux, ils veulent faire. Est-ce que le fait de laisser sa place, du coup, retenir sa mitzvah pour laisser l'autre, pour être mévataire, quoi? Est-ce que c'est pas bien du coup? Bah, ça dépend. C'est-à-dire que, effectivement, je vous donne un exemple concret. Il est écrit dans la halakha, kol kovea makom le tfilato, Elohe Avraham beezro. La Gemara dans Brachot, elle dit toute personne qui fixe une place pour la tfila. Et chaque fois qu'elle prie, elle se met là, dans cette place précise. D'accord ? Tu vois, ta Knesset, il y a des noms. Moi, c'est bien. Alors, ça fait très carré, comme ça, très organisé. Oui. Donc, des fois, il y a des bêtes Knesset, c'est la haïda, ils sont tous l'un sur l'autre, tac, 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 ça va, il n'y a pas de place. Il y a des Knesset. C'est chacun a son truc, là j'étais à Sarcelles avant-hier. Il y a un truc, et il y en a deux à côté, et ils mettent un truc, et ils t'expliquent pourquoi on ne doit pas s'asseoir ici, ils te mettent tout le protocole du Covid, pourquoi c'est très grave, c'est très péché de s'asseoir ici. Donc un oui, deux non. Un oui, deux non, ainsi de suite. Bon, très bien. Et ben, là-bas, il y a une manière d'agir, on ne laisse pas agir comme tu veux. On te dit en fait, quand tu covéas ma comme les filato, quand tu fixes l'endroit de tfila, Elo Avram Bezro, le dieu d'Avram vient t'aider. Pourquoi d'Afka en fixant une place à la tfila? Pourquoi d'Afka le 2 d'Abraham, pas le 2 d'Itsrak? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? On te dit très rapidement, c'est pas le but du cours, c'est qu'en fait, quand tu pries, j'ai entendu Rabbi David Pinto, quand j'étais enfant, je crois que j'avais 13 ans, je faisais une conférence à Sarcelles, justement, dans l'école. J'ai rappelé quelle école, il n'y en a pas dit, c'est derrière. Un Torah. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce que moi je faisais là-bas? Je sais pas. En tout cas, là-bas, il y avait une conférence, il avait donné cet exemple, il a dit pourquoi c'est tellement important de fixer une place, il avait dit. Parce qu'un enfant, j'étais enfant, mais je me rappelle, c'est comme ça que j'avais compris les choses. Il avait dit, la tfila, c'est quoi? C'est une pnia, c'est une prière qu'on adresse à Boré Olam. Il dit, maintenant, cette prière, tu adresses. Il dit, maintenant, en priant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un trou, finalement. Tu fais un conduit. Tu vas maintenant avoir une sorte d'entonnoir, comme ça, par lequel donc, tout le shéfa va venir, du haut vers le bas, du ciel vers toi, et de toi vers l'eau. Et que la tfila, c'est une relation comme ça, et ben on va faire un conduit, on va creuser une sorte comme ça de tinor, comment dire, un tinor de tuyau ou de conduit. Je te dis maintenant, une fois tu pries là-bas. Hachem, il veut t'envoyer, il dit allez, on envoie le shefa. Il envoie, mais ça va tomber sur qui? Sur M. Cohen. C'est toi qui as prié là-bas hier, c'était ta prière, c'était ta propre place. Et quand tu pries bim comme kavua, eh bien, tu vas maintenant fixer donc, et utiliser ce même conduit à chaque fois. On n'a pas besoin à chaque fois de creuser pour t'envoyer le shefa, la parnassa, la tzlacha, tout ce que tu as besoin. Parce que c'est toi qui as fixé ton propre conduit. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une place. Donc maintenant, je reviens à votre question. Moi, maintenant, je fixe une place et on va être classé. Et il y a quelqu'un qui vient et s'assoit à ma place. Est-ce que j'ai écoute, monsieur, excusez-moi, c'est ma place. Comme le filato, et le Avram, ben ils auront, moi je veux que le Avram m'aide, donc je vous demande de vous lever. Je peux faire ça ou pas? Non. Mais pourtant, et le Avram, ben ils auront. Alcool, bani, babota, et donc on l'a dit comme ça. Donc pour répondre rapidement, pourquoi d'Afka le Yud? Pourquoi il manque le Yud? Alors première réponse, il dit parce qu'en fait, le Yud, c'est que les princes, les chefs des tribus, ils se sont tenus à l'écart. D'accord? Donc il y avait l'âme Israël, donc il y avait l'assemblée. Et pour pouvoir apporter leurs offrandes, ils se sont portés à l'écart. D'accord? En fait, au lieu de rentrer dans la communauté, ils se sont singularisés. Donc on te dit finalement. Eh ben on te retire le yud, c'est quoi yud? C'est le signe du pluriel. Donc vous ne faites pas partie du pluriel, vous ne faites pas partie du public, vous êtes singulier, eh ben on vous enlève le yud. Première raison. Deuxième raison, nous dit le Kli Yakar, eh ben, les Nessim, les princes, ils ont fait preuve, quelqu'un a dit tout à l'heure, d'une forme d'orgueil. Qui a dit ça tout à l'heure? Quelqu'un a dit ça? Qui a dit non? Quelqu'un a dit c'est l'orgueil, moi j'ai plus d'argent que toi. Avital Loki, elle avait entendu ça aussi. Avital qui a dit? Avital, c'est vous, vous avez dit que c'est Rachel. C'est une des deux Tunisiennes qui sont dans un des coins, je me rappelle. Mais je sais pas c'est laquelle.
Qui a dit finalement nous ? Les deux, ils ont dit pareil, c'est un peu. Ah, d'accord, quelqu'un avait dit. D'accord, en tout cas, ils ont dit comme ça. Ils ont dit, regarde, nous, on complétera. D'accord ? On a tout ce qu'il faut, donc on va compléter tous les manques. D'accord ? Je te dis, ben, c'est quand même une forme d'orgueil, même si c'est fin, c'est nuancé, mais c'est quand même une forme d'orgueil. Je te dis, ben, parmi les lettres qui forment le nom d'Hachem, le nom d'Nessim, pardon, la seule lettre commune avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Yud. Nessim, il n'y a pas de lettres qui sont dans le Yud Kevavke. La seule lettre en commun, c'est le Yud. Alors le Yud, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, moi je ne peux pas laisser ma lettre en toi. Pourquoi ? Parce que on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, un endroit où il y a un orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, il sort. Il ne rentre pas. D'accord ? Et d'un niveau, tous ceux qui ont de l'orgueil, et d'un niveau, il y a quand même la gourmet encore. Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas supporter. Je peux tout supporter. Il y a écrit, Kol Mishesh Bogava, toute personne qui a de l'orgueil, Kadosh Baruch Hu, il dit sur cette personne, En anivehu yecholim la dour bimkom echad. Quand une personne a de la gava, Kadosh Baruch Hu, il dit, écoute, moi je ne peux pas supporter. Et si une personne a de la gava, ben, je m'écarte, je déménage, je ne peux pas rester dans cette maison. Ce n'est pas possible. La gava, c'est une chose que Kadosh Baruch Hu, il déteste au maximum. C'est-à-dire que c'est une mida que Kadosh Baruch Hu, il a en abjection. Alors, comme c'est la seule lettre en commun entre le nom d'Hachem et le Nessim, qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a dit, ben, comme je ne peux pas résider dans ton cœur parce que tu as la gava, qu'est-ce que je fais ? Je me retire. Donc, qu'est-ce que je prends avec moi ? Je prends la lettre de mon nom et donc je reprends le, donc deux réponses. Ok, très bien Léa ? Vous avez deux réponses. Donc, on a dit comme ça, on revient à ce qu'on a dit. On a dit que finalement, première raison pour laquelle on a enlevé le yud de Nessim, parce que ça, c'était une preuve de manque. Mais en train même, c'est une bonne intention. Et c'était beau. Ça venait d'un bon sentiment. Hein? De cette bonne intention. Quoi? Il ne faut pas être récompensé de cette bonne intention quand même. Bah. Vous savez quoi, ça me fait penser à ce que vous me dites. Les gens qui disent moi je suis rejeté dans le cœur. Là je suis parti avant-hier, j'étais en pleine de parler. Bikitour m'a dit allez voir telle personne. Il dit peut-être qu'il va se marier avec une fille, mais il n'est pas du tout religieux. Et maintenant c'est une fille religieuse. Et lui il fait rien de rien de rien. Et Béhémet, je l'ai vu tout de suite, il avait des middles, le garçon. Béhémet, si j'avais pas vu le look qu'il avait, c'était un one again, j'aurais cru que c'était un rabbin. Il avait des middles, une iratiamaim. Pas une iratiamaim peur d'Hachem, parce qu'il sait pas c'est quoi Hachem. Mais des vrais middles très très purs. Et pourquoi je dis ça maintenant ? J'aime bien raconter ma vie quand même. Quelqu'un, quoi. Ouais, donc, ouais. Alors il me dit non, mais moi, religieux, c'est pas dans les actions, moi, c'est dans le cœur. Je lui ai pas répondu, mais vous savez ce qu'on dit à chaque fois, c'est à cela on répond par une parabole, on dit comme une personne qui va chez le médecin, et il dit écoutez, voilà, j'ai mal, j'ai telle telle chose, mais ça il dit très bien, je vous fais une ordonnance. Et Bekitour il prend le papier, il écrit tous les médicaments qu'il veut lui indiquer, et lui il prend le papier, il le plie comme ça, il le met dans sa petite poche, là vous savez, près du cœur, il dit c'est bon, allez. J'ai maintenant le remède, il est près de mon cœur. Ah bah très bien, tant que tu ne manges pas ton remède, tant que tu ne prends pas le médicament, tu peux savoir jusqu'à demain de quoi sont faits tous les molécules de tous les médicaments qu'on t'a prescrits, tu vas pas guérir quoi. Tant que tu ne l'as pas pris, eh ben tu n'as aucune chance de guérir. Non mais je sais très bien, j'ai fait des études de sciences, pour moi les molécules et les trucs, j'ai très bien compris, pour moi je suis tout à fait conscient que c'est ça mon remède. Bah, prends-le, mais non c'est pas la peine. Moi, je suis guéri dans le cœur. C'était guéri dans le cœur, c'est super. Mais tant que tu ne prends pas ton truc, ben, ça sert à rien. Bon, bref, j'ai pas pu lui dire ça parce qu'il était vraiment au Hachem, il était dans un autre monde. Donc, j'avais pas envie qu'il croie que je lui fais des reproches. Mais du coup, le cœur, c'est beau, mais il faut passer à l'action. Maintenant, quand tu fais ça, t'as des bonnes actions, c'est très bien, mais le Icar, c'est l'action. Lo Amidrash Icar et la Maase. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il juge à Rabotai, c'est tes actions. Alors c'est vrai que quand tu as des bonnes intentions, l'action elle prend toute sa valeur. Et les intentions à Rabotai, c'est le Icar parce que finalement Hachem il aime le cœur. Rahmana li babae. Mais quand ça reste que dans le cœur et que tu passes pas à l'action, il y a un problème. Vous comprenez ? C'est-à-dire que quand c'est quelque chose qui te demande une pureté de cœur, alors le Icar c'est le cœur c'est le Icar. Mais quand on te demande de passer à l'action et tu dis non, mais moi dans le cœur j'ai pas besoin de ça, c'est une erreur. T'es obligé de passer à l'action. Donc on revient à ce qu'on disait. On a posé la question, comment se fait-il donc que les Nessim, on leur a retiré le Yud, on dit parce qu'ils se sont
séparés du public, ils n'ont pas. Et ils ont fait commencer à faire un calcul. C'était un manque d'entrain, un manque d'empressement. Et Kadosh Baruch Hu va les punir. Très bien. Deuxième raison, nous dit Rabbi Chaim Shmulevitz, il amène le pasouk qui dit qu'en réalité, eh bien, il amène au nom du Rachaim Akadosh comme ça. Il dit, il y a dans la liste, donc comme on a dit la liste de mariage, ouais, eh bien il y a la liste donc des matériaux du Mishkan. Et là-bas, Rabotai, je vous la lis très rapidement, ne l'écrivez pas, c'est rien, mais juste pour écouter l'ordre, vous allez voir, on dit comme ça, Zav, Achesef, une rochette, d'accord ? Donc de l'or, de l'argent, du cuivre. Trelet, Vargaman, Tola, Tchani, Vechesh, Veizim. Ça veut dire quoi en français tout ce que je viens de dire ? C'est le bleu azur. Oh, magnifique. C'est pas le truc des titres. Très bien. Alors, l'azur, la pourpre, le chèche-chani, c'est le fin, le lin qui est fin. D'accord ? Chèche-vézim, les poils de chèvre. Très bien. Orot-elim, odamim, les peaux de bélier qui sont teintes en rouge. Orot-techachim, les peaux de tachach. Le tachach était une créature. Vous savez qu'Hachem, il a créé que dans le désert. Il a créé un animal qui n'existe pas. Je crois que c'est de là que vient la légende des licornes. Hachem, il a créé à ce moment-là un troupeau d'animaux qui étaient cachés d'ailleurs. Ils étaient d'une beauté, ils avaient une peau splendide. Comme cette couleur, un peu comme ça. Comme les, vous avez les crépons, la papier crépon, la même chose, c'était comme ça. Du bleu, c'était d'une beauté. Je crois que c'était plus rouge que rose, mais en tout cas, incroyablement beau. Kadosh Baruch Hu dit que. La Torah nous dit que le Tahash, les châteaux, il a été créé que à ce moment-là. À ce moment-là, c'est un miracle, il a été créé que pour l'occasion. Ils ont fait la Shrita, c'était caché, il avait des sabots fendus et illuminés. Et il était extrêmement bon. Ils ont pris la peau et ils ont fait le Mishkan. Le Mishkan, autour du Mishkan, en cas de pluie ou je ne sais pas quel moment, on le recouvre de ces Orot, Orot Techachim. Donc c'est peau de Tachach. Très bien. Donc on continue dans la liste. Até Shittim, donc les bois de Shittim. C'est les bois que Yaakov lui-même, il avait. Comment on dit ? Planté, d'accord, et qui par la suite vont nous donner, eh bien, vont être utilisés pour la confection du Mishkan. Et enfin, Shemen la Mahor, Bessamim, Shemen la Mishra, Victor et Tassamim, donc toutes sortes d'huiles. Il y a l'huile pour les luminaires, l'huile pour l'onction, très bien, et l'huile pour les parfums, les trélettes, les ktorettes, pardon. Et enfin, à la fin, Avne Shoam, Avne Milouim, la Ephod Vela Choshen. Donc les pierres de Shoam, les pierres du Milouim. Bon, Milouim, ça veut dire pour enchasser dans les Ephod, très bien. Donc bravo Dai, le Rahim Kadosh, il dit pourquoi c'est donné dans cet ordre. Quand tu prends une bouteille de coca et que tu regardes les ingrédients, tu vois quoi? C'est quoi le premier en général? De l'eau, d'abord de l'eau. N'arrête pas. Donc la première, le premier, c'est celui qui est en quantité supérieure. Et le dernier, c'est celui qui est en quantité infime, minime. D'accord. C'est presque microscopique, on dirait c'est la même chose. Alors, Rahim HaKadosh, il te dit, tu vois, on commence par le Zav. D'abord l'argent, d'abord l'or, après l'argent, après le cuivre. Et tout ce qui va après. De l'huile, ça coûte pas très cher de l'huile. Après des pots, bon, les pots, ces trucs, c'est pas. Et à la fin, la liste, qu'est-ce qu'on fait à Botaï? On vient nous dire, Avne Shoam, Avne Elohim. A priori, à Botaï, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que dans la valeur, une pierre précieuse, en plus, c'était grosse pierre précieuse, comme ça, c'est comme celle de la couronne de la. De la royauté là-bas du Royaume-Uni, ouais, c'est-à-dire c'est énorme. La valeur, c'est sûr, c'est beaucoup plus cher que de l'or. Et non seulement on ne le met pas avant l'or, mais en plus on le met tout à la fin de tout. Mais après le bois, ça ne coûte rien. Alors, c'est le bois que Yaakov Avinu, il a planté. C'est pas un truc de Louis XVI, hein, c'est un truc, il vient de le planter, quoi. Il y a 100 ans, 200 ans, c'est rien, c'est pas la fin du monde. Les pierres, elles sont en dernier. C'est les pierres de quoi, là? C'est les pierres de Avne Shoam, Avne Milouim. C'est ces mêmes pierres. Ouais, le cible que les cibles vont offrir. Mais tu vois que dans la valeur, tu vois qu'il a en fin de liste. Le Rahim HaKadosh, il dit, tu vois qu'en fait, eh ben, il y a une allusion, qu'est-ce qu'il a fait, comment HaKadosh Baruch Hu, il a considéré ce don d'Avne Shoam Avne Milouim comme quelque chose de moindre valeur. C'est une valeur inférieure. Alors que jusqu'à présent, tout était ordonné de manière... de manière pas chronologique, selon la valeur, d'accord? Comme dans Excel, quand tu fais le truc, la trier, par valeur de croissance. Bah, c'était normalement être censé le premier et le mettre à la fin. Alors, comment ça se fait à vos têtes? Donc, finalement, aux yeux d'Hachem, eh ben,
ces objets ne sont pas tellement de grande valeur, ils sont dépréciés aux yeux d'Hachem, même si au niveau de la valeur financière, ils dépassent tout, mais devant Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas de valeur. Pourquoi Rabotai ? Alors, Hachem Kadosh, il répond à cette question, il dit en réalité, eh bien, il dit comme ça. Il donne la même réponse qu'on a dit tout à l'heure. Il dit, mais parce qu'en fait, eh bien, les Nessiens, quand ils ont amené ces korbanot, ils les ont amenés sans trop de valeur. Ils n'ont pas fait un effort. Donc, ils n'ont pas fait d'effort quand ils l'ont amené. Mais même quand ils l'ont reçu, d'où ils ont eu finalement ces pierres précieuses? Les princes, quoi, ils travaillaient à Anvers. C'est quoi les chassidim là-bas, qui sont tous des diamantaires avec la montre comme ça, comment ça s'appelle la montre en... Avec la chaîne. Il y a un nom, une montre ouais, en goût. À gousser. À gousser, ouais, à gousser. D'accord, donc voilà, c'est savez, le look du chassid, vous connaissez ce truc. C'est quoi, c'était tous des chassidim, les Nessim. Ils travaillaient tous dans le diamant, il dit. D'où ils l'ont eu finalement? D'où ils ont eu ces grosses pierres précieuses? Il te dit en fait, ils l'ont eu sans faire d'effort. C'est quoi sans faire d'effort? Eh bien, Chazal nous dit qu'en réalité, ce sont des nuages, d'accord, des Anani Kavod, c'est eux qui ont amené devant la porte de chaque Nassi, de chaque prince, ils ont amené la pierre précieuse qui appartenait à sa tribu. Donc on a chaque pierre précieuse, elle appartient, donc il y en avait 12, elles étaient toutes différentes, une couleur différente, un rubis, et là c'était une pierre, je connais pas tous les noms de bien, mais en tout cas, là, et chacun il avait une couleur différente, l'autre il était bleu, l'autre il était rouge, l'autre il était jaune, l'autre il était vert. C'est-à-dire que finalement, eh bien, ces pierres précieuses, elles ont été offertes gratuitement aux Nessiim, devant leur porte. D'accord ? Donc ce n'est pas comme les autres dons du Ham Israël. Le don du Ham Israël à Rabotai, ils ont été donnés de ce qui leur appartenait. Quoi ce qui leur appartenait ? C'est-à-dire que ça a été donné après un effort. Ils avaient de l'or. C'est comme une femme, elle porte de l'or, puis donne-moi ton or. Ah ben non. Ah ben si, donne-moi de l'or, on doit acheter telle chose. Ah ben non, je peux pas. L'or, c'est dur de s'en séparer. L'argent, le cul, tout ce qui leur appartenait. Le Hateshitim, c'est Yaakov lui-même qui a planté ce bois. Et Amisraël l'a porté. Pourquoi ils portent des planches de bois? Et puis ils auraient pu en trouver sur le chemin. Non, parce qu'ils ont investi un effort. Ils ont investi un effort. Quand tu investis un effort, tu donnes ton cœur. Quand tu donnes ton cœur à Kadosh Baruch Hu, il va accepter ton offrande. Mais quand, eh ben, tu offres sans valeur, sans t'investir. Alors c'est au niveau de la valeur financière, c'est vrai que c'est énorme. Mais devant un bois Kadosh Baruch Hu, eh bien, si ton don ne provient pas du cœur, Kadosh Baruch Hu n'en veut pas. Il faut que ça vienne du cœur. C'est pour ça que dans la paracha, on nous souligne à plusieurs reprises, mais et kol ish asher yedevenu libo, qui croit terumati. De qui je vais accepter l'offrande? Eh bien, de toute personne, asher yedevenu libo, qui portera son cœur. C'est quand on porte tous notre cœur. Non. Parce que ton cœur, c'est lui qui te pousse. C'est lui qui te donne des ailes. Alors, de toute personne qui est portée par son cœur, qui croit terumati, vous prendrez mon prélèvement. Alors, Hachem Kadosh, il dit en réalité, eh bien, en réalité, comme les Nessim n'ont pas fourni d'efforts pour pouvoir offrir ce cadeau, parce qu'ils l'ont eu gratuitement, donc ils avaient qu'à se baisser pour pouvoir le prendre, donc finalement, ils n'avaient pas la vraie valeur des choses, ils n'avaient pas tellement investi dedans, donc ils n'ont pas mis leur cœur dedans. Quelqu'un qui travaille, qui se fatigue, qui sue à la couleur de... à la sueur de son front, ben, il va apprécier ce qu'il a. Il va dire, ok, ça me revient. Et quand il va l'offrir, ben, il donne une partie finalement de ce qu'il a sué, il donne une partie de son sang. Pourquoi on appelle l'argent l'argent appelle le damim. Parce qu'il y a des gens, ben, quand ils donnent l'argent, c'est comme s'ils donnaient leur sang. Faut pas rigoler, des gens, c'est comme ça qu'ils voient. Je dis des gens, la majorité du monde, c'est comme ça. Pour eux, l'argent, c'est tout. C'est toute leur vie. Et que c'est que par l'argent qu'ils vivent. Et ben, tu dis, en réalité, quand ils donnent une partie de lui-même. Mais si les Miluim, ils ont donné, mais ils se sont juste baissés pour pouvoir te le donner, bah, ils n'ont fait aucun effort. C'était pas eux. Alors c'est vrai que c'était très cher, mais ils ont fait aucun effort. Comme ils n'ont aucun effort, eh ben, ils ont pu le donner facilement. Parce que ce n'est pas une partie de toi. Tu t'es pas investi, tu t'es pas tué à la tâche pour pouvoir obtenir cette pierre précieuse. Alors Hachem HaKadosh, il dit donc, pour quelle raison on va dire Nessiim sans Yud, pour dire qu'en fait, mais il y a un deuxième problème à l'offrande des Nessiim, c'est que ces Nessiim, ils offrent une chose pour laquelle ils ne sont pas investis. Donc ça a peu de valeur. Alors Hachem HaKadosh, il donne encore une deuxième réponse à celle-là, selon Yudhaïm. Il dit qu'un nouveau,
Benissim, ils ont manqué d'empressement. Quand ils ont offert pierre précieuse, devant Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, si tu t'investis pas, si tu ne donnes pas ton cœur, si tu ne fais pas avec Zrizout, ben Akadosh Baruch Hu dit, moi, j'en veux pas de ton cadeau. Mais je le prends de force. C'est pour ça qu'Hachem, il va déprécier eh bien, ce cadeau et ce don qu'on fait les Nessim. Donc, il y a un gamme, en réalité, dans... un double gamme finalement, un double défaut dans le don et dans l'offrande des Nessim, et donc on va leur retirer le yud dans leur nom. Alors, Boutaï, et ça c'est comme ça qu'on comprend ce que j'ai dit au début. C'est en réalité, eh bien, tu dois aimer, d'accord, c'est ne pas compter. C'est-à-dire que quand on aime, on ne compte pas, c'est pas juste un dicton, d'accord, c'est une réalité. Quand tu aimes, tu peux pas compter, parce que aimer, c'est tu laisses exprimer ton cœur. Et le cœur, il est infini. Le cœur, il est très puissant. Le cœur, il prend... L'amour donne des ailes. C'est pas juste une expression. En réalité, quand tu aimes quelque chose, tu vois pas les difficultés. Quand tu n'aimes pas, hein, tout est difficile. D'accord? C'est comme ça dans la vie. Alors, des fois, tu as des enfants, ils veulent pas aller à l'école. Ouais, j'ai pas envie, j'ai mal là. Mais ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, donc... Mais il a mal au pied. Mais je peux pas aller, j'ai mal au pied. Et l'autre enfant, il kiffe son école, il est apprécié par ses camarades, le professeur il est gentil avec lui, il aime les cours, il va avoir mal au pied, il va quand même venir. Pourquoi l'un, ils ont la même douleur, hein. Pourquoi l'un il peut pas et l'autre il peut? Parce que l'un il aime et l'autre il aime pas. Quand on aime, on compte pas. Quand tu aimes, ben, tu es pas censé ressentir les difficultés. Ça te dit en réalité, eh bien, c'est comme ça qu'on comprend qu'en réalité, on a dit tout à l'heure, que le calcul qu'on fait les Nessim, a priori, il provenait d'un bon sentiment. Mais Emmet, il voulait faire bénéficier le public en disant, bon, eh ben, on va leur laisser du destruyot, des mérites, et donc, a priori, c'est quelque chose de grand. Quand tu fais une mitzvah, eh bien, c'est pas... ne pense pas qu'à toi-même, pense aussi aux autres, a priori. Emmet, quand ils ont vu la liste de la confection du Mishkan, ils ont vu qu'en fait l'avenir de Louis Mavnosham, c'était les seuls à les détendre, à les avoir. D'accord, c'est-à-dire que les seuls qui possédaient ces pierres précieuses, c'était eux-mêmes. Donc ils se disent, bah, tu sais quoi, ils ont qu'à offrir, nous, on complètera de toute façon, on est les seuls à l'avoir. Donc après, vrai, au taille, c'est pas si grave. Tu dis, en réalité, eh bien, c'est vrai que dans le raisonnement, rationnellement, ils avaient raison. De toute façon, on doit les offrir ces pierres parce qu'on est les seuls à les avoir. Donc on les laisse donner le reste, le début et on complétera. BMS, ils avaient raison. C'est très rationnel. Ils ont raison, c'est-à-dire que si tu me reposes la question, peut-être je te redis, fais la même chose. Laisse les autres. Pourquoi tu penses qu'à toi? Laisse les autres parties sur la mitzvah et toi complète. Mais en mode, la Torah te dit non. Il y a une mitzvah dans la Torah. Ve'afta et Adonai, Elohecha, Bechol Levavecha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Me'odecha. On le dit à Otaï trois fois par jour. Le matin, le soir et avant de dormir. Et on dit, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur. De tout ton cœur, ça veut dire quoi, Rabotai? Eh bien, ça veut dire que quand tu donnes tes deux cœurs, donc les Teratov et les Terara, Mechon Lafshecha, tu donnes toute ta personne, ou Frol Meodecha, tu donnes tous tes moyens, tu dois donner tous tes moyens à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que finalement, Rabotai, eh bien, d'où on apprend la mitzvah de Misirut Nefesh, qu'on doit être prêt à se sacrifier, à donner sa vie, à donner sa fortune, s'il le faut, pour sanctifier le Kadosh Baruch Hu, on la prend à Botaï, on la prend de ses pasouk, de Ve'afta et Hashem Elokecha. Donc, si finalement, eh bien, tu dois être prêt à te sacrifier, ben, ça veut dire qu'en réalité, même si tu viens maintenant et tu veux faire des calculs qui sont raisonnables, qui sont rationnels, ils ont raison. C'est-à-dire que c'est les Nessim qui ont raison, et c'est eux qui font preuve de plus de raison. Ils sont raisonnables. Bien, c'est vrai qu'ils sont raisonnables. Simplement, comme il s'agit ici d'une preuve d'amour, bien, dans la preuve d'amour, il n'y a pas de calcul. Tu dois donner et donner et donner. Sans réfléchir, sans dire non, mais des autres, non. Il n'y a pas de raisonnement possible. Quand tu fais des calculs, c'est que finalement, il y a une gamme dans ton amour. Alors donner, c'est toujours aimer. Mais si tu le donnes avec une retenue ou en faisant des calculs, tu deviens raisonnable ou tu deviens rationnel, et bien à ce moment-là, tu manques à ta mitzvah de Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, parce que quand on aime vraiment, on ne peut pas calculer. D'accord? Quand on aime vraiment, eh bien,
on vient donner sans, sans réflexion. Mais mettre, quand quelqu'un veut vous faire un cadeau, je lui dis, écoute, ma fille, t'es une salle des quêtes, t'es une excellente séminaire, je te fais un cadeau. Je dis, attends, est-ce que t'as déjà, tu as déjà, je sais pas, un stylo, je vais t'acheter un stylo Mont Blanc. Est-ce que t'as déjà un stylo ou pas? Ah bah ça, t'as toute une trousse, bah t'en as 12. Bah, bah fais l'intent, t'as pas besoin. Bon, non, non, je te donne pas le cadeau en fait, finalement. Et est-ce que tu as dit à ce moment-là, est-ce que Bémet, je me pose la question, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que Bémet, ça va être utile? Est-ce que je vais combler un manque? Non, j'ai envie maintenant de prouver, par ce don, j'ai envie de prouver l'appréciation que j'ai envers la personne. Quand quelqu'un il aime quelqu'un, il veut lui donner. Donc il va pas commencer à dire non, mais est-ce qu'il en a vraiment besoin? On ne fait pas de calcul, Rabotai. Quand on aime, on fait pas très bonne note. Alors, l'énésie, Rabotai, c'est vrai que ça venait d'un bon sentiment, c'est sûr. C'est évident qu'au fond de... c'est des tzadikim en plus. Mais ça montre tout de même qu'il y a quand même une limite à ton don. Eh bien, si Bémet, ils auraient aimé au maximum de l'amour qu'on peut avoir, mais ils auraient fait immédiatement, sans faire de rejbonote, sans réflexion, sans retenue. Et ils auraient donné d'un élan, d'amour envers Kadosh Baruch Hu, et ils se seraient donné totalement. Alors il n'y aurait pas eu, ce retard, il n'y aurait pas eu cette gamme dans l'investissement. Et c'est ça finalement qu'on te dit que c'est ça, c'est Kadosh Baruch Hu l'attend. C'est qu'en réalité, il faut savoir que quand on aime, on n'arrive pas à calculer. C'est ce qui s'est passé chez Abraham. Abraham, c'est la première personne qui a aimé Dieu. Abraham, Vaishkam Abraham, Babo, Kher, Vaishkavash et Tramoro. Il a écrit, Kadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, Abraham, prends ton fils et viens le tuer, viens le sacrifier. Il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Le matin, il s'est levé le premier, avant tout le monde, alors qu'il était extrêmement riche à ce moment-là. Il avait des centaines de serviteurs à son service. Mais c'est lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a sanglé lui-même son âne. Il a dit, non, je peux pas attendre. Donc il a écrit, Vaishkam Abraham, Babo, Kher. Donc de là, Rachid dit, regarde, eh ben, Baboker, pourquoi il a besoin de nous dire Baboker? Il est parti le lendemain, il a dit, demain tu iras. Ben, dis-moi, il est parti le lendemain, qu'est-ce qu'on vit à quelle heure? Quoi, il écrit dans la Torah, quelle heure il fait ça, quelle heure il fait ça? Non. Et toi, Dieu, Rachid dit sur place, pourquoi la Torah vient nous souligner qu'il s'agit du Boker? Pour dire qu'en réalité, eh bien, c'est ça, la Zrizout d'Abraham. Abraham, eh bien, quand Hachem lui a demandé de faire une mitzvah, il y va Bezrizout, avec empressement, avec joie, avec entrain. Et deuxièmement, nous dit Rachid, c'est lui qui a sanglé lui-même. Le Vayachavosh et Tramoro, c'est lui-même qui a sanglé son âne. Comment il a sanglé son âne? Il n'a pas dit à ses avadim, allez-y, sangle malade, moi j'y vais, préparez-moi la voiture et moi je la prendrai. Non, lui-même il est parti. Il était âgé, il était zaken, il était riche, il avait toute la, il avait toute la possibilité de faire par d'autres, passer par d'autres personnes, mais il n'a pas tenu compte de son rang. Il était très, c'était un noble. Il va commencer à en prendre un âne, à lui mettre la ceinture, c'est long à faire, puis c'est sale, et puis c'est dégradant, on te dit non. Comme Abraham, eh ben il aime, il vient lui-même s'affairer au préparatif du voyage, il va lui-même sangler son âne. Et c'est lui-même qui va arriver au mont à Har Moria et il ne va, va pas être dérangé par quoi que ce soit. Parce que comme il a envie de le faire avec tout son cœur, ben rien ne va l'arrêter. C'est ce qui s'est passé donc avec Abraham. Eh bien, on te dit en réalité, le fait qu'il ait sanglé son âne, peut-être qu'il a moins bien fait que ses serviteurs. Serviteurs, ils font ça toute la journée. C'est un peuple de Hamor. C'est un peuple qui sont attachés aux ânes. Abraham, il était très, très noble, très classe, il n'était pas du tout de ce rang. Mais il s'est dit non, je vais le faire moi-même. Je t'ai dit pourquoi? Parce qu'en réalité, même s'il s'est dégradé dans son rang, et que c'est sur lui qu'on va dire à Abraham et Kalkelet Ashura, l'amour qu'avait Abraham envers Hachem, eh bien, il va maintenant, il nous fait perdre toutes les valeurs. Mais Kalkelet Ashura, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, il y a un ordre, il y a un protocole, ben, on perd tout. Quand on aime, on chamboule toutes les valeurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a d'abord notre amour, l'objet de notre amour qui est en face de nous. Et c'est ça ce qui nous pousse. C'est-à-dire en réalité, eh bien, quand on est dans cet état d'esprit, on comprend que finalement, eh bien, une personne qui aime, il est prêt à tout donner. La Gemara raconte, je finis rapidement, avec la Gemara dans Brachot, page 20. Elle dit qu'il y avait Rav Ada Bar Ahava, Rav Ada Bar Ahava qui marchait dans la rue. Il y avait une femme qui était patinoire. Elle était habillée en rouge. Rouge, c'est quelque chose d'interdit parce que ça saute aux yeux. Regarde, moi, là-bas, c'était une mauvaise femme. Donc elle était, en plus, la couleur rouge, en plus, l'habit qu'elle portait était très indécent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est dit, quoi, une juive, elle marche, elle porte un habit comme ça. Il est parti et il lui a déchiré son... Bon, elle était habillée, par-dessus, elle avait un manteau, donc elle était avec son manteau, mais il a déchiré son... On ne porte pas des choses comme ça. La Gemara, elle dit que finalement, la femme, elle dit, qu'est-ce que tu me fais, là?
Il dit, ben, on n'a pas le droit de porter ça sans attendre. Il dit, mais je suis une goya. Oh, je suis désolé, vous êtes goya. Ben, elle, une goya, elle fait ce qu'elle veut, elle s'habille comme elle veut. Il dit, je suis désolé. Et ben, finalement, elle a amené au Bedin et il a dû payer 412. Une somme astronomique. C'était un habit de Chanel, une pièce unique, un truc de fou. Oh, 412, ça fait cher quand même. Tu dis oui, mais Rav Ada, quand il a agi sans réfléchir. Alors, c'est pas bien de réagir sans réfléchir. Mais quand c'est un réflexe, quand c'est un amour, eh ben, tu le laisses s'exprimer. Non, mais tu comprends, il faut que je réfléchisse, je sais pas. Puis on a une démocratie, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, et pourquoi pas. Et puis finalement, je peux comprendre, elle a vécu dans sa jeunesse, elle a eu une jeunesse un peu difficile, il faut se mettre à sa place, et c'est un entourage. C'est ses parents qui disent, il n'y a pas, c'est pas possible, je peux pas supporter une seconde quelqu'un qui va à l'encontre avec la Kadosh Baruch Hu, et il va réagir comme ça sans faire de calcul. Ça, eh bien, c'est la Messirut Nefesh. D'accord ? Donc finalement, il s'est rendu compte qu'il avait mal agi. Il a dit, Matoun, il a dit, comment tu t'appelles? Donc une fois que tu l'as payé 412, donc une somme astronomique, et comment vous appelez madame? Je m'appelle Matoun. C'est un nom, Matoun. Matoun en araméen, c'est-à-dire être patient, être posé, être algérien. D'accord? Fais pas les choses, tu es posé, tu réfléchis, tu prends les choses. Mais il dit, Matoun, Arba Meadzouza. Matoun, tu vas coûter 412. Matoun, c'est le nom de cette dame, et c'est aussi également le titre et la situation de se calmer et de prendre les choses eh bien, avec une certaine retenue. Et donc, Rabotai, on te dit en réalité, eh bien, c'est ça, c'est un amour. L'amour, Rabotai, c'est quand tu ne comptes pas, et c'est ça le véritable amour. C'est comme ça, Rabotai, que maintenant on comprend. Et troisième réponse à Léa, c'est pourquoi d'après le Yud, c'est en réalité, eh bien, on a compris que au moment où l'offrande qui a été apportée par les Nessim, elle était empreinte, effectivement, au niveau de la valeur, elle était immense, mais au niveau de la manière de l'apporter, eh bien, c'était empreint de paresse, de hatzlout. D'accord ? Alors, ils ont fait donc un cheshbon et un justificatif pour donner, finalement, on a dit, du mérite à la communauté. Mais derrière ce cheshbon, eh bien, en réalité, il y avait une racine, il y avait une pointe de paresse. D'accord ? Une pointe d'inertie qui disait, bon, ben, on va pas agir tout de suite. Donc, c'est-à-dire que finalement, ils se sont tenus à leur raisonnement. Ben, mais dans l'idée, ils avaient raison. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu donnes, tu dois donner avec ton cœur, ou tu dois donner de ton cœur. C'est ça le Icar, Rabotai. Donner de son cœur, c'est ça, Rabotai, le Icar de la mitzvah de donner à Kadosh Baruch Hu. D'abord, tu donnes ton cœur et après, tu donnes l'argent. C'est Minachem, hein, parce que je suis arrivé avec trois livres, je pensais pas du tout que j'allais parler de ça, j'étais bref dans le truc. Et finalement, Kadosh Baruch Hu nous envoie dans la paracha. C'est fou, parce que j'ai ouvert vraiment par hasard. Bref, il y avait trois parachas devant moi, j'ai trois sirotes différentes. Et Kadosh Baruch Hu dit, écoute, on va commencer une mitzvah, qui est une mitzvah de Tzedaka, qui on va permettre aux autres, aux Am Israël de donner. Ça sert à vous dire que c'est possible qu'une personne jamais de sa vie a donné à Tzedaka. Parce que bon, la Torah, ça me saoule. Il y a des gens qui vous disent comme ça. Ils disent, oh, moi, la Torah, qu'ils aillent travailler. Vous avez tombé sur des gens en France, ils ont des discours comme ça, faites attention. Je dis, quoi ? Vous travaillez, mais ils étudient. Ben, d'abord, oui, Shiva, ils étudient la Torah. Quelle troupe, disons. Ne commencez pas à leur faire faire tu vois aux gens, faites attention. Ils vont dire, mais elle est folle, celle-là, il va truquer. Là, les gens, ils ont une manière très universelle de voir les choses. Et très. Alors, les gens, ils n'ont pas eu le mérite de pouvoir donner parce que donner la Torah, c'est le plus haut niveau du don. Mais, ça nous a permis de faire autre chose. Et ces autres choses, je sais que ça touche les gens. Les mariages et les trucs, et faire des formations dans les mikvot, et aider les gens qui sont loin. Les gens, ça a l'air pareil. Ils disent, écoutez, vous êtes religieux, mais vous gardez la Torah pour vous-même. Et le fait d'être comme ça, universel, de faire des choses pour les gens plus loin ou des gens plus larges, ça c'est que ça touche les gens. Donc il est possible que grâce à vous, dimanche, les gens ils vont donner pour la première fois leur vie de la Tzedaka. Ou même s'ils ont déjà donné la Tzedaka. Mais ils ont peut-être pas donné en ayant conscience des choses. Parce que bon, la Torah, c'est quelque chose de très extérieur pour eux. Je parlais encore à quelqu'un cette semaine, il m'a dit, pour moi, je suis jamais rentré au Batamitra, j'avais peur. Je lui ai dit, pourquoi t'avais peur? Je sais pas, je suis rentré dans un monde trop étrange, jamais j'osais. Il connaissait personne là-bas dans ce Batamitra, il y avait un avraire, c'était à Neuilly, donc les gens, jusqu'à que le collège est ouvert, les gens, ils ont pas vu de collège là-bas. Il dit, je sais pas, j'ai jamais osé ouvrir la porte quand j'ai un truc, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Les gens, pour nous, pour eux, la Torah, c'est quelque chose de très étrange, de très extérieur, de très truc. Et là, Kadosh Baruch Hu va nous permettre, lors de ces 48 heures, de rentrer dans leur vie. Et voilà, on vous fait goûter. Regardez, c'est quoi la Torah. Ils vont voir le film, ils vont voir un truc, et vous allez parler avec le cœur. Quand vous parlez avec le cœur, même si après ils donnent 1 euro, ça se trouve, vous allez les sauver, ces gens-là.
sauf pour l'éternité. Tzedaka tatil mevet, c'est pas stam, c'est pas juste un dicton, c'est une réalité. Il y a des gens, ça, ils ont jamais fait. Ils n'ont pas pu connaître. Et même si les gens, ils ont connu. Donc, peut-être qu'ils ont mal fait là, la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka, on taille le ikar, c'est donner avec le cœur. Mais pour que la personne ait avec le cœur, pour vous donner votre cœur. Quand vous parlez avec le cœur, tu dis écoute, Bezrat Hashem, il y a une mitzvah, elle est très importante. Tu parles avec entrain. Il faut faire la tunisienne, rabotaille. Dimanche et lundi, on est tous des tunisiennes. D'accord, on parle avec le cœur, on exprime, mais mettre le profond. Ne commencez pas à leur faire un discours de 3 heures, c'est très rapide, ça dure une minute, une minute et demie, chaque sirah, sinon ils vont vous baser les gens. Mais même si vous dites un mot, mais dites-le avec le cœur. Quand vous dites avec le cœur, c'est un srout. On vous donne l'éternité. On a Zerah Marti Tachekel, c'est une mitzvah. De toute façon, tout le monde le fait Zerah Marti Tachekel. Ne dites pas, pour les gens qui disent non, on n'a pas d'argent, on n'est pas truc. Je dis, mais vous donnez Marti Tachekel. Oui. Oui, bien sûr, elle doit faire. On donne pour toute la famille, on donne. Pour chacun dans la famille, mais la femme, le mari, les enfants, les personnes âgées, tout le monde. D'accord. Vous dites, ok, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de Tachekel, mais tout le monde donne pour Purim. Purim, c'est une fête un peu universelle. D'accord. C'est Halloween chez les Américains. Eh bien, tu dis. Faut pas dire vous donner le Marti Tachekel, faut dire Zerher le Marti Tachekel. D'accord ? Parce que c'est Marti Tachekel, c'est que pour le Batamigdash. On donne Zerher. Il y a écrit quand on n'a pas le Batamigdash, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? On donne dans un endroit dans lequel on étudie la Torah. Et Bechesed Hashem, Hashem nous permet d'étudier la Torah ici. Il permet d'étudier la Torah au Kollel, il permet d'étudier aux familles nombreuses qui vont étudier la Torah. C'est-à-dire que tout ce qu'on donne, c'est de la Torah. Donc quand le Batamigdash est détruit, nous dit la Gemara, qui on donne le le Zerher Tzedakel, on fait un midrash au Bnei Torah, ceux qui lisent la Torah. Donc, au Hachem, on le fait sous tous ces aspects. C'est Hachem qui nous a donné ce srout. Donc, ça va être le cœur. Et je vous dis, vous allez vous prendre des claques. Quoi, comme ça, ils parlent, et puis ce truc. Et puis, ils vont dire, ouais, mais pourquoi vous travaillez pas? Bref, ils vont vous faire. Et, des fois, ils vont faire eux-mêmes du moussard. Ils vont vous raccrocher au Naotai, soyez forte. Et dites que si, comme ça, il dit le Peluette, s'il a été décrété qu'une personne, Chas v'Shalom, doive être punie. Parce que Shfirut d'âme, c'est quoi? C'est être mort, mais c'est aussi quand on te fait honte et que tu deviens rouge. Il y a des gens qui deviennent facilement rouge ou pas? Bon. Ben, quand tu deviens rouge, quand tu rougis, en fait, c'est à ce moment-là, il faut les chaven, que si Chas v'Shalom, j'aurais dû mourir, ben, que tout mon péché parte là-bas. D'accord, bon, vous allez dire, moi j'ai été Mahavita 17 fois alors pendant cette campagne. 17 fois, on m'a truqué, on m'a mal parlé, on m'a truqué. C'est pas grave, ben, chaque fois, comme ça, il dit le Pélévès, ou une fois pour les 48 heures, ça marche aussi, mais en tout cas, ayez ça dans la tête, ayez comme idée dans la tête que si Chas v'Shalom, ça se passe pas comme vous l'aurez voulu, ou on vous parle désagréablement, et ben que ces bisionotes, cette honte, cette chouma, cette shfirhut dam, cette, le fait de rougir, et de blême, et bien ce soit mechaper sur les averot pour lesquels Chas v'Shalom, Chas v'Shalom, on aurait peut-être dû être chayav mita, que ça passe, et ça marche, hein, ça marche en bataille. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va être 48 heures dans un Hachem. Et le Chazon Ish, il dit que même si à notre époque, l'Hashgacha d'Hachem, elle est cachée, là, on est avant la venue du Mashiach, elle est cachée. Il dit, tu peux avoir des gens religieux, ils font des choses graves. Je ne sais pas quand je parlais cette semaine à quelqu'un, mais tu vous rendez compte qu'à Bnei Brak, il y a tout un binyan de Forex. Vous savez ça quand même? Ouais. Et ils m'ont dit, il y a un monsieur, alors je sais pas, ils m'ont dit une sorte de. J'ai pas compris. Une sorte de. Ça fait 3 fois qu'on en parle en France, il faudrait que je me rappelle la scène, c'est quoi? C'est une sorte de reportage sur un ancien religieux, je sais pas, il a fait des trucs, il me dit vous rendez compte, c'est le religieux? Je me dis de quoi vous parlez? Bref, je comprenais même pas de quoi il me parlait. Il me disait vous rendez compte, ils font des embrouilles et des trucs, et ils vont tromper les gens. Bref, c'est tellement. Il y a tellement de Khilou Hachem dans le monde que nous, on vient les Kadesh et Tcham Hachem. On vient les Chaper, les Averot, d'Am Israël, qu'ils ont. De ces personnes-là, il n'y en a pas beaucoup, ils en ont fait un film, je sais pas, j'ai rien compris ce qu'ils m'ont dit. C'est un ancien religieux, j'ai rien compris, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, mais qu'est-ce que. Vous voulez les rapports maintenant? Ils disent, c'est-à-dire que les religieux, ils sont dans ce genre de trucs, je sais pas, parce qu'il y en a un, ils ont fait un film sur leur, quoi, tous, on est tous comme ça. Mais c'est ça, vous avez mal en Khilou Hachem. Khilou Hachem, si tu fais partie d'un clan, eh bien, quoi, si tu t'en écartes, ça va salir tout le monde. Donc il y a un Khilou Hachem, on doit les rapper sur ce Khilou Hachem. Comment on fait? On aime Kadesh Hachem Hachem. Kadesh Hachem Hachem, c'est permettre à d'autres personnes de faire une mitzvah. Alors, pas tout le monde a le mérite d'étudier la Torah, de faire du chesed, de pouvoir aider des gens directement, de pouvoir avoir le srout, de voir la vraie tzedaka. Il y a des gens, ils donnent à l'hôpital, c'est bien dans l'hôpital, c'est très beau, ils donnent à Tala, c'est super. Il y en a qui donnent à toutes sortes de très belles causes, mais c'est des causes humaines, c'est humaniste, c'est très beau, je répète, quand une personne a de l'argent, elle peut donner. Mais donner la Torah d'Osha. La Torah, ça permet qu'il n'y ait pas de malades, ça permet qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, ça permet que quand il y a la Torah, il n'y a pas de mal dans le sur la terre. Ça va irradier le mal, ça va empêcher le mal
de s'installer et de s'exprimer sur terre. C'est-à-dire que ça ne vient pas maintenant, quand une personne est malade, oui, vadaï, qu'il faut être Salah, et qu'il faut Rovesh, je ne sais plus comment il s'appelle, Magen David Adom, il faut la Croix-Rouge, et il faut les hôpitaux. Mais la Torah, ça permet qu'il n'y ait pas ça, avant, c'est-à-dire que ça enlève le mal à sa racine. Et ça, eh bien, ce qu'on fait, pendant 48 heures, c'est que pour la Torah, Kdosha, c'est que pour le Shem Hashem. Les Chaven Rabotai qu'on fait, qui douche Hashem, en Arnum Katim et Shem Hashem. Quand tu comprends, tu es pris par ça, bah, tu n'as pas peur. Tu fais à pour Kadosh Baruch Hu pendant 48 heures. Maintenant, ça va contre votre nature. Vous êtes toutes des rechoumottes. Vous êtes une sept et vous êtes une citrouille toutes. Vous avez honte de vos troncs. Vous avez des midotes, mamache tellement exceptionnelle. Tu vois, là, ça va à l'encontre. C'est vrai. Et bien, des fois, on sert à Kadosh Baruch Hu en faisant un effort contre notre nature. C'est très dur. Mais c'est ça, le Mesirut Nefesh. À l'époque, le Mesirut Nefesh, il y a 500 ans, il fallait monter sur un bûcher et dire je suis juif et je refuse de me convertir. D'accord. Ils ont fait ça dans l'époque d'Inquisition et de toutes les époques d'ailleurs. Et bien, notre époque, en 2022, on est tellement. Mais Founakim, que non, la Mesirut Nefesh, c'est pas de se tuer, c'est de vivre. Mais vivre comment? En allant à l'encontre de nos mitzvot. Dans votre taille, ça va être un moment, peut-être, vous allez dire c'est dur, c'est contre la nature. Dans votre taille, sachez que quand on le fait et on s'investit totalement dedans, on voit la main d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Chazon Ish, il dit à notre époque, la main d'Hachem, elle est cachée. Mais là, Ashgaha Pratit, il dit chez qui? On la voit chez les Bnei Torah. Du fait qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent se marier, fait que ça peut y avoir un chidour entre 3 à 4 personnes, tu rencontres l'homme de ta vie et tu es heureuse toute ta vie avec lui, ça c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Ça, la main d'Hachem, elle n'est pas cachée. Dans ça, on voit encore la Gharbatit, Mia la Teva, c'est pas logique quand j'explique à quelqu'un qu'en 5 fois on peut se marier quelqu'un et lui il a besoin d'être 2 ans avec sa copine pour pouvoir être sûr que ce soit bien sa femme et après il divorce au bout de 6 mois, alors allez nous. Et ben, la Gharbatit, elle est là. Ça c'est un Gilou Hachem. Elle n'est pas comme Moustéret. Et je vous dis, dans ce genre de campagne, eh ben, on voit la main d'Akadosh Baruch Hu à la Teva. Parce que de faire quelque chose de si grand, avec si peu de moyens, mais avec le cœur, sachez que Akadosh Baruch Hu s'installe, et ça va mi à la Teva, et ça, ce sera votre trout Bezrat Hashem. Tatsilchou Bechol Maaseh Adechem, Hashem Yeh Bezrechem, Shabbat Shalom Morach, Baruch HaVatzlach.